Ok, alors on se retrouve pour toujours plus de tuning. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer les performances d'un petit moteur pour 0 euro. Ça fait tellement putaclic, mais en vrai, ça coûte rien de faire ça à part genre 2 boulons et 3 heures quand on n'est pas doué comme moi. Donc ça, c'est le genre de moteur qu'on trouve pour une centaine d'euros sur Internet. C'est un moteur 4 temps, 196 cm3. Ce genre de moteur, c'est fait pour être monté sur les groupes électrogènes ou les motoculteurs. Du coup, il y a un limiteur de vitesse à 3000 tours/minute. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'enlever. Donc la marque de ce moteur là, c'est un Varan, mais en fait c'est similaire à des Predator 212. Juste la cylindrée est un peu plus petite. Et sinon, en fait, tout ça, ce moteur-là et le Predator 212, c'est des copies de moteurs Honda. Ok, donc je vais faire un premier test du moteur encore bridé. C'est à ce niveau-là que y a le truc qui bride le moteur et qui l'empêche de tourner trop vite. Là, juste en dessous du réservoir. J'ai réparé provisoirement le contour avec une pincette eau, donc j'espère qu'on verra le nombre de tours minutes. Du coup, la première chose à faire quand on modifie ce moteur pour enlever le limiteur, vu qu'on va l'ouvrir, c'est d'enlever l'huile pour la mettre dans une bouteille vide de jus d'ananas. Faut bien récupérer toute l'huile hein, parce que après on la remet. Du coup, une fois qu'il n'y a plus d'huile dans le moteur, il faut le mettre dans l'autre sens. J'espère que là il n'y aura pas tout plein de fluides qui iront sur la table parce que c'est pas censé marcher comme ça. Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo. Génial! Il est foutu, c'est pas grave, hein? Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein? Oh, fuck, il y a de l'essence qui coule. Bon, tant pis. Hein. Du coup, ce qu'il faut virer, en fait, ce qui limite le nombre de tours minutes, c'est le truc là au fond. Quand ça tourne, en fait, ça pousse la barre métallique qui pousse tout un mécanisme qui fait baisser l'ouverture du carburateur. Ça, c'est le détecteur de niveau d'huile bas et il faut le virer parce que quand on fait des wheelings à 300 km/h, bah après elle va croire qu'il n'y a plus d'huile alors qu'en fait l'huile elle est dans une autre partie du moteur. Du coup ça va s'arrêter tout seul et on veut pas que ça s'arrête quand on fait des wheelings à 300 km/h. Du coup ça on le vire, on pourrait juste le débrancher mais en le virant ça fait du poids en moins quoi. C'est bon, j'ai enlevé le bras qui fait chier, maintenant faut enlever l'espèce d'engrenage qui est à l'intérieur. J'ai regardé sur YouTube parce que j'arrivais pas. Et on va dire que je sais entièrement ce que je fais. Alors j'ai enfin réussi à enlever ce truc là en forçant à coups de tournevis et de marteau, comme vous avez pu le voir. En fait, il y a le petit truc métallique là qu'on voit au milieu qui empêche de l'enlever. Il y a aussi une rondelle en dessous qu'il faut pas oublier d'enlever, sinon ça va se balader à l'intérieur. C'est bon, du coup j'ai mis une vis ici avec un écrou. Et de l'autre côté, et là aussi il y a un boulon. Bon alors je pense que c'est bon, tout est bien remis. Du coup je vais pouvoir remettre l'huile neuve. Je la remets avant de remettre le tube parce que c'est chiant de la mettre par les petits orifices. Et comme ça en plus on peut en mettre un peu partout. C'est l'huile que j'ai enlevée mais comme elle est encore propre, je remets celle-là. Ouais, celle-là elle est plus sale. C'était celle qui était dans le moteur de tondeuse mais vas-y ça va marcher hein.
Ok, alors le moteur est prêt pour le test. Faut trouver un système pour relier directement le carbu au câble d'accélérateur si vous voulez utiliser ça sur un véhicule. Après, comme le moteur est toujours en rodage, enfin il n'a pas énormément tourné, du coup j'ai fabriqué un petit rupteur pour l'empêcher d'aller trop vite dans les tours. Ça compte pas le nombre de tours minutes et tout, hein. C'est juste un truc qui coupe l'allumage à intervalles réguliers quand j'appuie sur le bouton. Et voilà quoi, c'est tout. Comme vous avez pu le voir, il y a du pop and bang d'origine. Quand on décélère, même sans éteindre l'allumage, ça fait des pop à l'échappement. Et ça, c'est plutôt cool. La prochaine fois que vous reverrez ce moteur, il y aura un stage 1 au moins dessus. Donc, gros carbu, gros filtre à air, échappement straight pipe, comme on dit aux US. Ça devrait envoyer et ça devrait faire des flammes. Donc abonnez-vous pour toujours plus de tuning. Oh,